Aujourd'hui les gens, on ressortira la AK de Cold War. Pour ceux qui le savent, c'est l'une des armes emblématiques de Warzone. Elle avait été méta après l'intégration de Call of Duty Cold War sur Warzone. Et sincèrement, cette arme c'était une dinguerie, elle était méta. Et on va voir si aujourd'hui c'est toujours le cas avec la méta NZ, Blixen et tout ce qui suit. Moi comme d'hab, je vous retrouve en fin de vidéo pour la classe. C'était Kigounin et bon gameplay à vous les bros. Un bon start lui. La forme est assez fort, comment tu vas? Bien ou bien? Et du coup pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un truc raid en dessous de ma cam, on est sponsorisé par Raid. Et ceux qui veulent DL le jeu, passez sur Raid, vous faites avec mon petit lien et vous avez un code Power Starter pour avoir des petits avantages au début. C'est quoi ça? On le met où le code? J'ai pas trouvé. Non, t'as un truc pour entrer les codes sur le jeu? Après, où exactement? Je sais pas. Ouais, ton jeu. Ah, mettre ton sauciface, tu sens que t'as un problème d'acouphène qui goûte? Non. Jamais eu de problème d'acouphène, enfin j'en ai déjà eu dans ma vie, mais pas à cause du jeu. Genre, je suis quelqu'un qui a déjà fait des technivals et tout, donc bon. Ça vient peut-être plus de ça. Non, mais il va, Théo. Je crois que le code promo marchait pas. Théo, toi qui l'as rentré, le code, tu l'as rentré où sur Raid? Tu l'as rentré où le code promo? Oh, on a 9000 hein. Oh le bug. Ok. Attends, je vais retourner sur le jeu, vas-y, vas-y. Tu penses quoi de l'arbalète? Bah, c'est fort en vrai. Hein. C'est fort, mais c'est assez punitif, genre, tu loupes ta flèche, t'es mort. Donc c'est pas non plus de cheater. Ah, je pensais que j'aurais le mec avec 5-6 balles. J'en ai loupé des balles, hein. J'ai loupé vraiment pas mal de balles, là. Mais c'est trop d'être aussi nul. Oh, la première game de la journée, frérot. Le shoot, il est ignoble. Oh, damn. Oh, le shoot de merde, gros.
Ah, c'est insupportable d'être si nul. Dis Kamikaze, comment va? Ton jeu, la MP5, des fois qui goûte très rarement. Hein. La MP5 en vrai est plus si forte. Hein. Elle reste correcte en solo, mais dès que tu feras de la duo trio ou un peu de squad, elle va être éclatée. De toute façon, maintenant les refs, faut jouer les armes de vanguard. Hein. Les armes de vanguard sont juste beaucoup trop fortes. Hein. Lui aussi joue la K, hein. Oui. Pour toi, la Marco est actuellement la meilleure arme du jeu. Je dirais pas la meilleure, mais l'une des meilleures. Il me faut une reconnaissance. Le drone commence son survol. En vrai, la AK fait le taf depuis tout à l'heure. Ça enchaîne fort. Eh ben écoute, Cooker, ça va extrêmement bien, et toi? Comment tu vas? Est-ce que les gars, vous avez passé un bon début de journée en ce mercredi? On est mercredi ou jeudi chez vous? Il me faut une reconnaissance. Le drone commence leur survol. Plus que 5. Finissez-en une... Alors vraiment, frérot, il a foncé dans la fenêtre, il a commencé à mettre un laser.
Bon, il rentre là, ça y est. Drone ennemi actif. Alors lui, il est perdu, hein. Lui, il est perdu. C'est bon, j'ai réussi à mettre le code. Let's go! Très bon ça. Bien joué! Première game de la journée avec la petite AK de Code War, 31 kills top 1. Bah écoutez, le gameplay pour la AK est déjà fait. Avant, on a fait un enchaînement dans l'église qui était plutôt bon. On arrive déjà à la fin de la vidéo et franchement on a fait un très beau top 1 avec la AK de Code War. Du coup les refs, voici la classe, c'est toujours la même que d'habitude. Et pour ceux qui veulent la tester les gars, je vous préviens tout de suite, elle a plus de recul que des armes de Vanguard. Donc vraiment ne vous attendez pas à une arme simple à manipuler. Et évidemment avec l'arrivée des 300 HP, on doit mettre plus de balles qu'avant. Mais vous allez voir que quand vous allez faire des kills avec cette arme, vous allez avoir un feeling incroyable. Et sur ce les refs, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Kigunin et portez-vous bien.